Le ver géant. Alors, Sylvain Concept, le ver géant fait partie du boss le plus dur du jeu. J'ai un copain qui a laissé tomber le jeu à cet endroit-là parce que c'était juste ouf. Je l'ai passé sur le fil du rasoir, ce boss. Mais de toute façon, c'est un RPG, donc tout ce que je te conseille, tout simplement, c'est de faire un peu de pecs à côté. Ok. Ok, c'est que de la magie. Ok, ça va faire autre chose. Ok, ok, on va vous parler là-dessus. Ça marche. Ok, que de la magie, d'accord. Ok, ça marche. Oh là là. Base de construction du grand sceptre. On y est. J'adore cette transition sur la carte. C'est tellement magnifique. Avec le Guatemaltèque là qui est en train de siffler derrière dans son flûte de pan, c'est génial. Alors vous allez enquêter sur le grand sceptre, facile à dire, mais déjà comment pensez-vous pouvoir vous en approcher? Bah déjà on peut dormir dans le lit. Voilà, déjà remonter mes vies. J'ai mal au cou là, j'ai mal au cervical. Kaïm, tu me donnes mal au cervical là. Est-ce que je tape d'abord lui ou d'abord les vagins? Les vagins, ils m'ont l'air un peu plus inoffensifs. Alors, règle numéro 1 du mauvais streamer, ou du mauvais vidéaste, c'est de manger pendant qu'il stream, ou qu'il fasse une vidéo, parce qu'on entend les bruits de mastication, les bruits de bouche, c'est juste dégueulasse et c'est juste... pète couille au possible. Puis, un RPG, c'est comme un bon porno, hein. C'est un truc qu'on peut jouer d'une main, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le boss, c'est le boss. La zone du boss. La zone qui a fait cauchemarder un nombre incalculable de joueurs de Lost Odyssey. On pourrait y aller, non? De mémoire, ça sert à rien parce qu'ils attaquent avec des éléments magiques, donc le bouclier physique ne sert à rien. On va check ça. Aïe! Ah, mais il est largement prenable. Il est largement prenable, je suis à plus de la moitié, quoi. Enfin, pas maintenant, mais... Parce que là, ça va faire très mal. Il faut absolument que j'augmente la CGA. Sans la CGA, je sers à rien. Là, j'ai une bonne CGA. Yes! Tu vois, avec une bonne CGA, bon là, la CGA, elle est niveau 2, quoi. Elle était niveau 3-4, il a eu que 80 de dégâts au lieu de 200 et des poussières, quoi. C'est quand même bien. Mais bon, la CGA, j'ai pas le temps, là. On est, En tout cas, je me pense, c'est quand même pas sûr. Super, le groupe est paralysé. Ouais, en fait, j'ai des bagues anti-paralysie, ça passe tout seul. Elle me dit, je me rappelle plus s'il y en a un troisième, putain. Oui, first try. First try. Xavier, il est pour toi. Pouya. Magnifique, sans difficulté. Wouh. Eh non. Salut, Jensen. Hey. Merci, Jensen. Sans toi, le boss, imbattable. Au. Je croyais que la troupe était dans la ligne de mire et blabla et patacoufin, donc que dalle, peu de zob. Oh, il va mourir, oui! Oh, cette musique! Cette musique! La gueule des simples voyageurs. Ouais, des voyageurs, c'est ça, ouais. Moi, je suis le mari et voici ma femme. Et là, au milieu, c'est mon ami, Monsieur Joyeux. C'est mon ami, Monsieur Joyeux. Elle m'a fait hurler de rire la première fois cette réplique. Nous avons les moyens de vous faire parler. Nous savons les moyens de vous faire parler. Une si haut placée, qui était si ouverte d'esprit. Elle n'avait pas seulement cette qualité. Elle a l'air très ouverte d'esprit.